Mesdames, Messieurs, bonjour, chers auditeurs de Océan FM, la 98.7. Nous avons le plaisir de revenir tous les dimanches sur cette antenne pour parler, discuter, analyser, si vous voulez, l'actualité politique de manière générale. À la présentation, Abdou Diouf. Aujourd'hui, nous avons comme invité sur ce plateau Monsieur Pape Mbaye. Bonjour, Monsieur Mbaye. Bonjour. Je vous salue, vous tous, toute l'équipe de la rédaction. Mais j'en profite aussi pour saluer vos éditeurs et les remercier du temps qu'ils ont bien voulu consacrer pour suivre cette émission. Merci, Monsieur Mbaye. Merci d'être venu. Alors, on procède d'abord par la présentation de notre invité. Alors, qui est Pape Mbaye? Pape Mbaye, ancien secrétaire général de l'Union de la jeunesse démocratique Albouri Ndiaye, Ouzdand. Il est membre du comité central et du bureau politique du PIT Sénégal. Il est également secrétaire en charge de la vie intérieure du parti. Vous confirmez? Oui. Vous avez quelque chose à rajouter sur cette brève présentation? Elle est largement suffisante. Ok. Merci. Parlons d'abord de votre parti politique, le PIT, qui est un parti de gauche. Le parti de gauche suggère qu'il est nécessaire de changer de paradigme afin d'éviter des scénarios chaotiques à l'avenir. Quelles sont les contraintes actuelles après l'élection présidentielle? Alors, le parti de gauche suggère qu'il est nécessaire de changer de paradigme afin d'éviter des scénarios chaotiques à l'avenir. Quelles sont les contraintes actuelles qui vous poussent à réfléchir ainsi? Bon, ce n'est pas des contraintes actuelles, mais c'est dès sa naissance que le parti, qui était à l'époque le Parti africain de l'indépendance, s'est inscrit dans une perspective d'émancipation humaine de l'homme, de transformation radicale de notre société. Donc, je veux dire que dès le début, c'est un parti qui a placé l'homme et ses préoccupations au centre de sa réflexion. Et quand l'homme est placé au centre de nos préoccupations, c'est parfaitement compréhensible que nous nous inscrivions dans le cadre d'une logique qui exclut a priori tout chaos, étant entendu que le chaos ne peut jamais se faire au profit de l'être humain et de son existence. Donc notre parti s'est toujours préoccupé de la stabilité du pays. Notre parti s'est toujours préoccupé de la paix et de la cohésion dans notre pays. Tout au long de son histoire, on peut trouver des moments forts où, quand le Sénégal a été confronté à des défis majeurs de nature à remettre en cause sa stabilité, le parti s'est dressé pour s'y opposer et tout mettre en œuvre, rassembler les forces pour empêcher que cela ne se produise. Alors, vous êtes un parti de gauche. C'est quoi un parti de gauche? La gauche, c'est des valeurs. La gauche, c'est des principes. Mais le tout structuré autour de la justice sociale, du progrès, de l'aversion contre toute forme d'injustice et d'exploitation de l'homme. Pour nous, c'est ça la gauche. Est-ce que le PIT, parti de l'indépendance et du travail? L'indépendance, c'est l'indépendance d'une manière générale, bien l'indépendance du citoyen. L'indépendance, c'est l'indépendance
de manière générale. Chacun, vous savez, quand on crée le parti, on n'était pas encore indépendant. C'est en 1957 que le PAI a été créé, en septembre 1957 à Thiès. Par qui? Par des intellectuels, des ouvriers qui avaient signé un manifeste. On appelait le manifeste du PAI. Peut-être j'aurai l'occasion de vous le donner pour lecture. Donc c'est avant les années, c'était un parti au départ africain, comme on le dit. Il y avait une section au Sénégal, une section, je crois, en Côte d'Ivoire, au Mali. Au Mali. Il y avait une section au Mali. Il y avait des militants au Tchad. Il y avait des militants qui étaient au Niger. Et c'était donc avant la territorialisation. Le parti était un parti africain. Bon, quand le parti a été territorialisé aussi, il a maintenu la dénomination Parti africain de l'indépendance jusqu'en 81, pour devenir le parti de l'indépendance et du travail. L'indépendance, pour nous, comme le disait notre secrétaire général Amad Dansoko, avant son décès, le 23 août 2019. Et à son âme. Oui, il disait que l'indépendance, il faut le voir en termes de coefficient. Aujourd'hui, avec la mondialisation, en termes de coefficient. C'est difficile d'être totalement indépendant, mais on peut avoir un coefficient d'indépendance élevé ou un coefficient d'indépendance très bas. Mais il faut le voir en termes de coefficient. Et je pense que cette réflexion d'Amat est vraiment d'actualité. Et c'est important. Ouais, de nos jours. Alors, le PIT compte bâtir un nouveau type de politique. Parce que vous savez que les temps ont changé. Vous m'avez dit tout à l'heure que le parti a été créé bien avant l'indépendance. Alors, maintenant, le contexte actuel, il y a des partis qui naissent, de nouveaux partis qui naissent. Et le PIT compte bâtir un nouveau type de politique. Plus vous êtes d'accord, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que la manière dont on faisait de la politique autant est dépassée maintenant. Nous avons toujours fait autrement la politique. Nous, au niveau du PIT, nous ne sommes jamais sentis à l'aise dans la peau de ce qu'on appelle des politiciens au Sénégal. C'est des hommes et des femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à la lutte pour l'émancipation de leurs semblables. Avec parfois l'intime conviction qu'ils peuvent, eux, ne pas goûter aux fruits de leurs efforts. Peuvent ne plus être là quand leurs efforts vont donner des fruits. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui ne croient pas à l'adage qui dit derrière leur fait. Ils considèrent qu'ils peuvent se battre sans l'espoir de goûter, comme je te l'ai dit, aux fruits des efforts qu'ils consentent aujourd'hui. Ce sont des hommes et des femmes qui ont grandement contribué aux acquis démocratiques actuels, qui l'ont payé cher, sans rien demander en retour. C'est par centaines qu'ils ont été arrêtés. C'est par centaines qu'ils ont été torturés. Beaucoup d'entre eux l'ont payé par la perte de leur profession. D'autres par la dislocation de leur famille. D'autres ont par des dizaines d'années d'emprisonnement. Et certains, par l'exil forcé, loin de leur famille, pendant des dizaines d'années. Voilà le prix qu'il a fallu payer pour qu'aujourd'hui, au Sénégal, des gens puissent dire non. Voilà le prix qu'il faut payer. Il y a des gens qui ont souffert bien avant. Mais c'est les hommes de gauche, particulièrement le PAI. Le PAI. Et particulièrement le PAI. Il existe aujourd'hui dans ce pays des personnes assez âgés aujourd'hui, qui ont consacré toute leur jeunesse
à la lutte pour que le Sénégal, sur le plan démocratique, soit ce qu'il est aujourd'hui. Le PAI a marqué l'histoire politique du Sénégal. Absolument. La dernière élection présidentielle, vous étiez dans une coalition, plus précisément, Benno Bokk-Yakaar. On vous a battu largement au premier tour. Vous avez fait l'inventaire de votre échec. Et vous avez retenu quoi comme leçon? Oui, nous avons retenu comme leçon que c'est une défaite. Mais qu'est-ce qui vous a fait perdre les Sénégalais? Ces élections-là, qu'est-ce qui vraiment... Voilà, qu'est-ce qui vous a fait perdre? Je pense qu'il y a un facteur que de toute façon que personne ne peut... expliquer. Que personne ne peut nier. Mm-hmm. Parce que vous avez dû vous en rendre compte. Les derniers moments du pouvoir, il y a eu des postures politiques. Mm-hmm. Qui, de notre avis, rien ne pouvait justifier. Mm-hmm. Vous savez que notre secrétaire général a été éjecté du gouvernement pratiquement à la veille des élections pour avoir dit non à certaines mesures préconisées. Qui est votre secrétaire général? Sambassi. Qui était le ministre du Travail. Du Travail, tout à fait. Voilà, qui a exprimé un point de vue clair. Mm-hmm. Par rapport à des mesures que le président de la République préconisait, parmi lesquelles la loi d'Amas. Aussi, nous étions pour que les élections se tiennent à date échue. Sur cette question, nous n'étions même étant dans la coalition, nous étions pour que les élections se tiennent parce que les élections doivent se tenir. Vous défendez des principes. Ouais, nous défendons des principes. Tout à fait. Absolument. Donc, c'est clair que des choses dont nous n'avons pas encore l'explication se sont passées. Mm-hmm. Et ont dû certainement jouer dans le cadre de la victoire de l'opposition. Mais ça... ce n'est pas la seule explication. Mm-hmm. Il y a eu des ressentiments. La vie n'a pas du tout été, et n'est pas encore facile pour l'écrasante majorité des Sénégalais. Donc, vous parlez du côté social. Oui, du côté social. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres réalités? C'est-à-dire, est-ce que les réalités n'ont pas changé? Parce que maintenant, on constate que c'est la jeunesse qui prend en main son destin. Bon, on le dit. Vous savez... Avec ces élections-là... Non, ce n'est pas évident. Mm-hmm. Moi, je dis toujours qu'il faut... On est dans un pays où on vit d'idées reçues. Mm-hmm. Quelqu'un... Mais la chose la plus compliquée, on lui trouve l'explication la plus facile à partager. La jeunesse, on dit la jeunesse. Mais pour ceux qui se sont rendus dans les lieux de vote, c'est pas évident, c'est pas du tout évident que ce sont les jeunes qui ont voté. Mieux, je pense que nous avons perdu, si on l'a eu, par le passé, l'habitude, nos intellectuels, je veux dire, nos cadres, notre élite a perdu cette habitude, c'est-à-dire que de s'arrêter toujours sur les phénomènes pour aller au-delà de ce qu'on voit et leur trouver une explication scientifique. Et se départir du mimétisme. Parce que tout le monde dit que c'est la jeunesse est révoltée. Tout le monde le répète. Mais... très peu, mais probablement. C'est, une réalité qu'on a assisté, qu'on a vu. On a vu des jeunes déferler dans la rue. On a vu des jeunes. Mm-hmm. Mais c'est toujours, en général, les manifestations, c'est les jeunes. C'est pas nouveau. Parce que ce sont eux qui en ont l'énergie. Ce sont eux qui en ont la fougue.
c'est pas spécifique au Sénégal. Si on convoque l'histoire un peu, on avait l'habitude de voir vraiment les femmes devant qui faisaient de la politique. Les partis ont été animés par des femmes, mais le contexte actuel en 2024. Attends, si vous voulez, je ne dis pas que cela ne s'est pas passé comme ça. J'invite seulement à une réflexion prospective plus approfondie pour asseoir ce que nous affirmons. Mais ne pas s'en limiter au constat comme ça. C'est parce que, je ne sais pas quelle est l'unité de mesure qu'on peut utiliser pour aller nu comme ça, parce que nous avons vu. Les sondages. Oui. Les sondages, bien avant les élections, alors, vraiment, disaient que la majorité des jeunes se sont inscrits sur les listes électorales. Oui. Ils ont leur carte et ils veulent sanctionner le pouvoir. Oui, mais je veux dire, c'est qu'il y a des jeunes au PIT, il y a des jeunes à la PR, il y a des jeunes au Parti Socialiste, il y a des jeunes dans les autres partis. Tous ces jeunes-là se sont inscrits. Quels sont les sondages qui ont été faits pour dire que les jeunes-là qui se sont inscrits vont voter pour le parti, vont voter pour l'opposition. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que la recherche. Je mets l'accent sur la nécessité d'utiliser nos élites dans le cadre d'une recherche approfondie pour des résultats scientifiques. C'est ce que je veux dire. Okay. Sinon, comme tout le monde, je concepte. Alors, vous êtes toujours dans Pernambouc-Yakar ou bien vous n'écartez pas la possibilité de continuer à cheminer avec d'autres partis? Et sur quelle base? Mais c'est clair, jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes dans le Bénin. Parce qu'on n'a pas décidé de quitter le Bénin. Mais est-ce que le Bénin n'est pas dans un flou présentement? Le secrétaire général n'est pas là. Il a confié le parti à quelqu'un. Et celui qui a présenté même le parti, je veux nommer Amadou Ba, est dans un dilemme. Si on lui pose la question, est-ce que tu es dans Bénin, il ne dit rien. Les gens ne savent plus à quel sein se vouer sur ce parti politique-là. Donc vous, en tant que coalition, vous êtes dans ce flou-là. Est-ce que vous avez vraiment des éclaircissements sur ça? Bon, je ne sais pas si la coalition est dans un flou, mais le PIT, en tout cas, n'est pas dans un flou. Nous savons ce que nous devons faire. Le moment venu. Et nous le ferons. Nous le ferons. Nous sommes dans le Bénin. À la question de savoir est-ce que nous sommes prêts à travailler avec d'autres forces, évidemment oui. Il faut s'élargir. La question des alliances, pour un parti comme le nôtre, se pose dans des termes très clairs. À chaque étape, dans chaque contexte, il y a des tâches et des défis à relever. Et il y a des forces, des groupes qui ont intérêt et qui sont intéressés à relever ces défis et à résoudre ces tâches. Ce sont ces forces qu'il faut identifier et les réunir pour faire face. Donc, une autre opposition va se créer parce qu'il y a des partis qui avaient participé aux élections qui n'étaient pas avec le Bénin, mais qui aujourd'hui peuvent trouver intérêt
à s'allier à nous ou à d'autres forces pour résoudre les problèmes qui vont se poser. Okay. Donc forcément, il y aura une nouvelle recomposition. Absolument. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas une opposition pure et dure pour le moment. Oui, moi, c'est, les gens s'organisent d'abord. Il faut s'organiser. Ensuite, moi, la notion d'opposition pure et dure, bon, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, quoi. Une opposition pure, une opposition dure, pure. Parce que ce qu'on voit actuellement, il y a des dirigeants politiques qui sont là, qui sont en train de critiquer le pouvoir. Mais pas, ce qu'on voit, ce n'est pas des critiques objectives. Et normalement, une opposition solide, une opposition très objective, doit s'opposer, mais en donnant des orientations claires. Oui, mais quand vous regardez bien, est-ce qu'en réalité, c'est l'opposition qui est en train de critiquer aujourd'hui? Moi, je pense que l'actuel pouvoir a plutôt affaire à ses propres partisans. Ce n'est pas encore l'opposition. C'est avec les gens avec qui il était, qui sont déçus, qui sont en train de le rappeler à l'ordre, autour de ses promesses. Mais ce n'est pas encore l'opposition. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Donc la vraie opposition est en rang d'observation pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir a plus à faire à ses propres partisans qu'à l'opposition. Ça, au moins, je pense que ça, on peut le constater. Okay. Qui vivra verra. Ouais. Alors, changeons un peu de sujet. Sur l'actualité, toujours, la recrudescence des accidents de la route. Depuis le début de l'année, les chiffres des accidents de la route repartent à la hausse. On assiste à une augmentation générale au Sénégal. Selon vous, quelles sont les principales causes? En tout cas, moi, je suis dans la circulation, je conduis. Je pense que une simple observation de la situation te permet de comprendre que la cause principale des accidents, c'est l'indiscipline. Ça, c'est un fait. Il y a plusieurs autres causes. La vétusté du parc automobile. Tu as l'état des routes. Bon, je ne suis pas un spécialiste tout à de la fait. Sécurité. Mais ce que vous constatez. Mais ça, c'est des facteurs. C'est des facteurs qui sont là, tout le monde voit. Il y a deux jours, j'ai écouté une émission radio avec des journalistes. Ils ont parlé de la recrudescence des accidents. J'ai été vraiment déçu par la platitude de l'argumentaire. Pendant près d'une heure de temps, ils se sont mis à taper sur les autorités, sur le ministre. Mais personne d'entre eux n'a parlé de l'indiscipline. Alors, c'était un débat de forme, mais les débats de fond, ils ne l'ont pas fait. Oui, ils ne l'ont pas. Okay. Donc, certaines informations, comme vous l'avez dit, donnent comme motif le non-respect du code de la route et la vétusté du parc automobile. Tout le monde touche du doigt ça. Mais peut-on ajouter le manque de formation de certains chauffeurs? Oui. Bon, je pense que c'est vrai qu'il y a la nécessité de former, de former au-delà de lui apprendre à conduire, de lui apprendre à se comporter dans la société. Comment se comporter dans la société?
Parce que les gens disaient souvent que les routes ne sont pas bonnes. Il y a une nette amélioration maintenant de la circulation. Par exemple, l'explication qui consiste à la route étroite. Mm-hmm. Mais quand la route est étroite, il ne faut pas doubler. C'est un principe élémentaire. La route n'est pas éclairée. Quand ta visibilité n'est pas bonne, il faut conduire prudemment. Ce n'est pas des explications rationnelles. Parce que l'accident qui s'est produit à Ndouloumadi, alors le chauffeur devait s'arrêter. Mais il ne l'a pas fait. Il a brûlé le stop. Et finalement, le camion qui... Mais ça, c'est quoi? C'est l'indiscipline, c'est tout. L'indiscipline ou bien manque de... Oui, de conscience pour sacrifier des gens comme ça. Ah oui, c'est en tout cas, moi je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est une situation très grave à laquelle il faut réfléchir sur le comment y mettre un terme. Quelles peuvent être les solutions? Bon, vous avez tout à l'heure parlé de la formation. Il faut quand même former, c'est-à-dire que c'est clair que maintenant, il ne suffit pas de passer le code de la route, d'aller faire la conduite. Mais au-delà de ça, il faut le chauffeur puisse être un bon citoyen. Un citoyen imbu, qui connaît ses droits, mais qui connaît aussi ses devoirs. Un citoyen imbu d'un savoir-faire, d'un savoir-être. Qui sait comment se comporter dans la société. Comment on doit se comporter dans la société. À quoi servent les règles? Nous sommes en train de vivre ensemble, dans l'harmonie et la quiétude, parce que chacun sait ce qu'il doit faire et les limites qu'il ne doit pas franchir. Tout à fait. Et être chauffeur, c'est une grande responsabilité. C'est une très grande responsabilité. C'est comme être journaliste. Qui est grâce sur le journalisme. Alors, et la manière dont on distribue les permis, ça aussi, est-ce que c'est pas à revoir? Oui, mais si nous disons qu'il faut inclure une autre formation dans le processus d'obtention du permis, ça veut dire que nécessairement les conditions d'obtention vont changer. On va changer. Parce qu'il y a des gens qui ne se forment pas, qui, oui, ça qui utilisent d'autres moyens pour d'autres avoir moyens, le permis. Ça, oui, mais ça va au-delà du permis seulement. Ça pose le problème de la corruption. Okay. Et surtout, nous sommes à l'approche de deux grands événements religieux, le Maghreb de Touba et le Gamou. Une sensibilisation pour conscientiser la population est nécessaire, n'est-ce pas? Ça n'a jamais manqué. La sensibilisation a toujours eu lieu à la veille de ces... Malgré tout, il y a des accidents. Ce n'est pas la sensibilisation qui a manqué. Il faut que les gens s'autodisciplinent. C'est comme les histoires de le problème de la sécurité. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Mais chaque citoyen peut être un auxiliaire de la police. Tout à fait. Et ça, c'est un niveau de prise de conscience assez élevé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de la sensibilisation. Une très forte sensibilisation à la veille du Magal et la veille du Gabon. Oui. Mais malgré tout, tu as des accidents que rien ne peut justifier ni expliquer. Alors, l'immigration clandestine refait surface ces temps-ci. Un phénomène qui empêche tout le monde de dormir. Quelles sont les causes, selon vous, quelles sont les causes de l'immigration clandestine? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que
c'est la faible rémunération du travail. Ou bien il y a d'autres facteurs. Parce que c'est un phénomène qui perdure et que les États ne parviennent pas à régler. Oui. Jusqu'à présent. Comme vous dites, c'est bien quand même. Parce que vous dites les États, ça veut dire que ce n'est pas propre au Sénégal. C'est dans toute l'Afrique, la preuve. C'est que chaque fois qu'on raisonne une pirogue, qui a plusieurs nationalités là-dedans. Très souvent, maintenant d'ailleurs, les Sénégalais ne sont pas majoritaires là-dedans. Tout à fait. Voilà. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi, mon problème, c'est que la facilité dont on explique certains problèmes très graves, comme l'immigration, des milliers de personnes meurent, vas-y, oui, les jeunes n'ont plus d'espoir. Les jeunes n'ont plus d'espoir. Ils n'ont pas de travail. Mais maintenant, il y a des enseignants qui partent. Il y a même, sans doute, des gendarmes qui partent. Alors, si on se pose la question, les gendarmes, les enseignants qui partent, eux, ils travaillent. Ils travaillent. Mais quand quelqu'un, pour aller au Nicaragua, peut dépenser plus de 6 millions pour aller au Nicaragua, avec 6 millions, on peut faire quelque chose. Pour passer la frontière. Pour passer la frontière. Mais les gens disent que toute cette somme-là, c'est il fallait dépenser ça sur autre chose et rester travailler. Mais la plupart des gens font des financements, ils créent une petite et moyenne entreprise, mais au final, c'est voué à l'échec. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Non, c'est-à-dire que c'est, même si c'est voué à l'échec, mais l'enseignant qui renonce à son travail pour aller, son travail n'était pas voué à l'échec. Les enseignants sont quand même rémunérés. Est-ce qu'ils sont bien rémunérés? Franchement, on peut. Il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Par rapport aux années passées. Qu'est-ce que cela veut dire être bien rémunéré? Il faut voir. Par rapport au niveau de vie. Par rapport à l'état de notre économie, par rapport à nos possibilités sur le plan financier, ils sont rémunérés. Je ne dis pas assez, ni pas simplement, ni bien, mais ils sont rémunérés. Mais ils partent. Les gendarmes, comme on dit, ça paraît qu'il y en a qui partent maintenant. Oui. Mais ils partent. Pourquoi? Quelqu'un qui arrive à réunir 6 millions, c'est qu'il n'est vraiment pas dans la dèche. Certainement, nous n'avons pas 6 millions pour partir. Quelqu'un qui réunit 6 millions, il n'est pas dans cette situation. Donc, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes qui ne sont pas dans le désespoir. Peut-être oui. Mais ce n'est pas la seule explication. C'est-à-dire que je reviens sur ce que je disais. Nous arrêter sur les phénomènes. Les étudier de manière sérieuse avec des gens outillés pour étudier ces questions. Mais ne pas nous cramponner aux premières explications, très simplistes et surtout faciles à partager. Quand vous allez, des jeunes sautent l'autoroute à péage, cassent ta voiture, prennent ton portable et ton sac, on dit voilà, les jeunes n'ont plus rien à faire. Mais est-ce que c'est parce que tu n'as plus rien à faire que tu es autorisé à aller agresser des gens? Est-ce que ça, c'est une explication? C'est une justification? Enfin, je ne parle pas de justification. C'est même pas une explication. C'est même pas une explication. Je pense que l'immigration clandestine est une chose assez sérieuse. C'est clair que maintenant, nos nouvelles autorités auront des problèmes par rapport à cette question. Mais parce qu'ils l'ont traité dans le passé d'une façon qui va se retourner contre eux. Oui, d'ailleurs, le premier ministre Ousmane Sonko calme le jeu en disant aux jeunes. Patience, oui. Rester. Est-ce que les jeunes n'ont pas tellement entendu ce genre de discours-là? Ah, mais est-ce qu'il ne faut pas réagir autrement? Mais ce qu'il leur disait avant, est-ce que c'est ça qu'il leur disait? Quand il était dans l'opposition, est-ce qu'il leur disait non, attendez, patientez? C'est lui-même qui leur disait, mais écoutez, quand vous élisez quelqu'un, ne lui donnez pas de répit. Il faut lui mettre la pression pour qu'il fasse ce que vous voulez.
Maintenant, qu'il ne croit pas à la réalité du pouvoir. La réalité du pouvoir. La réalité du pouvoir. Est-ce que c'est ça qu'il disait aux jeunes? Maintenant, il calme le jeu. Nous avons toujours dit que ce sont des questions sur lesquelles il faut faire extrêmement attention, comme les inondations. Parce que ça te rattrape. C'est pas, vous savez, on parle de l'opposition. Et puis, c'est des problèmes qu'on, c'est, pas, c'est, qu'on règle du tic au tac. Non, qu'on peut pas. C'est, en fait, c'est tout un processus. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ce qu'ils ont dit, c'est. En fait, c'est nos nouvelles autorités. Ils ont des problèmes qu'il faut identifier comme étant des problèmes avec eux-mêmes. Parce qu'étant dans l'opposition. Oui, mais. Pour la première fois, on a eu une opposition de cette nature, d'une telle radicalité, d'une telle violence. Est-ce que ce n'était pas encore à cause du pouvoir qu'on avait? Quel pouvoir? Le pouvoir de Macky Sall. Qu'est-ce qu'il y avait dans le pouvoir? Est-ce qu'il ne fallait pas s'opposer comme ça pour avoir ce résultat-là aussi? S'opposer comment? Pour avoir quel résultat? Pour gagner des élections? Non, s'opposer radicalement parce que le président qui était là également était tellement dur avec les opposants. Mais parce que là, moi, je dis, personnellement, j'ai toujours compris. D'abord, vous savez, M. Diouf, il n'y a pas de répression par rapport au passé. Avec tout ce qu'on a vécu. Je ne sais pas la répression par rapport au passé. Est-ce que vous savez qu'on arrêtait des gens sur simple accusation, qui est la beaucoup. Quand on t'arrêtait, les trois premiers jours, tu étais torturé. Qui faisait ça? Mais la police. Sur quel ordre qui? Mais c'est le pouvoir qui était là, qui le faisait. Ouais. De Saint-Maur. C'est-à-dire que on arrêtait, on a des camarades qui ont purgé 10 ans dans les prisons. Est-ce que le même système, le système de Saint-Maur, le même système est revenu sous Macky Sall? Comment? On a vu des répressions partout. Des répressions comment? Quand je dis qu'il n'y a pas. C'est-à-dire comparativement, quand on dit que jamais le Sénégal n'a connu un régime aussi autoritaire que le régime de Macky, c'est méconnaître l'histoire, c'est ça que je veux dire. Ok. C'est méconnaître l'histoire politique du Sénégal et de la répression dans ce pays. Okay. Donc si vous faites la comparaison entre le régime de Macky Sall et le régime de Senghor, donc vous voulez dire que le régime de Senghor était beaucoup plus autoritaire? Non, mais quand même, c'est-à-dire que, vous savez... Oui, il y a beaucoup plus dans le domaine de... la réflexion de l'intelligence, il faut toujours avoir le sens, je le dis toujours, de la mesure et des nuances. Okay. Quand on dit quelque chose, on doit s'assurer qu'on le dit avec les mots qu'il faut. Dire que Macky Sall, son régime, c'est une dictature, c'est qu'on ne connaît pas ce que c'est qu'une dictature. On l'a jamais vécu, ce qu'ils le disent. Moi, j'ai vécu avec des Chiliens. Mais est-ce que vous avez la possibilité de faire la part des choses parce que vous avez vécu dans les deux... Non seulement on a vécu dans les deux temps, mais nous avons vécu avec des camarades qui, eux, étaient dans des pays où il y avait la dictature. Okay. Tu ne peux pas vivre dans un pays où tu peux te lever, injurier le président à la radio, et rentrer calmement chez toi, critiquer le président, dire tout ce que tu veux du président, du régime, des ministres, et rentrer allègrement, tranquillement chez toi, et dire que je suis dans une dictature. Ils ne savent pas ce que c'est une dictature. C'est ça que je veux dire. Okay. C'est-à-dire qu'on nous a présenté des choses que nous avons gobées, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est ça la manipulation. Tout à fait. Ok. Et on s'en rendra compte. Ok. D'accord. On change un peu.
pour progresser parce que le temps file et il nous reste d'autres sujets à traiter. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a déclaré sa patrimoine au Conseil constitutionnel au nom de la transparence à laquelle appelle son gouvernement. Quelle appréciation faites-vous? Est-ce qu'on avait l'habitude de voir ça? De voir un président de la République faire sa déclaration. Faire sa déclaration de patrimoine. Ah, mais c'est ça à ma connaissance. Bon, depuis au moins l'instauration de la FNAC, tout le monde, tous les gens qui gèrent un budget, je crois, au-delà d'une certaine limite, sont tenus de faire leur déclaration de patrimoine. Ce n'est pas le premier président à faire une déclaration de patrimoine, quand même. Okay. Parce que deux de ses prédécesseurs, Abdoulaye Wade, en 2012, et Macky Sall, 2012-2024, avaient également rempli une déclaration de patrimoine, après leur entrée en fonction. Oui. Une obligation légale inscrite dans la Constitution. Quelles sont, mais ces déclarations étaient largement supérieures à celles de l'actuel président. Les déclarations des deux. Ils étaient plus riches. C'est largement supérieur à l'actuel président. Quelle analyse faites-vous sur ça? Bon, je ne sais pas. Bon, vous me l'apprenez. Vraiment, je dis, j'avoue que je ne m'attarde pas tellement sur ce que les gens ont. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a fait la comparaison. Ouais, non, j'ai dit. Se ressourcer pour voir. Les autres avaient plus de ressources. Plus de ressources. Bon, Ablaïvat, ça peut. C'est compréhensible qu'il ait plus de ressources. Parce qu'il a travaillé pendant longtemps. Macky Sall, sa carrière, il a été directeur, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, je crois. Président de l'Assemblée nationale. Je crois que tout ça, mais aujourd'hui, ça veut dire que lui-même, ce qu'il a, je ne sais pas ce qu'il a, je n'ai pas lu. Bon, il faut le voir par rapport à sa carrière et par rapport à ce qu'il aurait dû avoir. C'est ça que la comparaison, ça doit être là. On ne peut pas dire parce que tel serait plus riche que Bassirou, donc ça veut dire que Bassirou n'a rien. Mais quand vous faites une déclaration de patrimoine au départ, quand vous terminez, faites une autre déclaration. Vous devez faire une autre déclaration. Est-ce que le président Macky Sall l'a fait? Bon, je ne sais pas. Il doit le faire. Il ne l'a pas fait. Bon, je sais pas. Parce que s'il l'avait fait, on l'aurait su. Il doit le faire. Bon, je ne sais pas s'il l'a fait ou s'il le fera. Pour pouvoir faire la comparaison. Il doit le faire. Ça, je pense qu'il le fera. Okay. On pense que Monsieur Bassirou Diomaye, le président, son excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le fera lui, comme leur philosophie, Djubanti. Oui, il doit le faire, comme ce que je dis de Macky. Macky doit le faire, lui aussi, il doit le faire. Okay. Il doit le faire, non pas parce qu'il fait Djubanti, mais parce que c'est ça que la loi dit. Simplement. Alors, pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que ça m'a perturbé un peu. Le salaire mensuel du président est évalué à 4,8 millions de francs CFA, l'équivalent de 7300 euros en tant que président. Trouvez-vous ça normal? Non, vous savez, c'est-à-dire que moi, je pense que on est en train de nous entraîner dans un terrain. Il y a une suite, parce que si je vous pose cette question-là, je vois que
si on le compare à certains DG et entraîneurs d'équipe qui touchent vers les... Non. C'est pourquoi je te dis qu'on est en train de les entraîner dans un terrain très glissant. Okay. Et c'est de la pure manipulation. Comment? Je ne crois pas à tout ça. Le président de la République peut à la limite se contenter d'un salaire de 1 million, parce que ce n'est pas le salaire qui le fait vivre. Pourquoi il a tous les avantages? Non, c'est le président peut, qu'on me dise que le président a 100 000, de 100 000 francs de salaire. Ce n'est pas ça le problème. Le président ne vit pas de son salaire. C'est quoi le véritable problème? Le président, il dispose des avantages et d'une manne financière. C'est tout. Il n'a même pas besoin de... Mais pourquoi il dit je n'ai rien trouvé pour les fonds politiques? Ça ne lui empêche pas de vaquer à ses obligations. Alors, de voyager par-ci, par-là. Non, vous savez, ce pays n'a pas besoin de tout ça. Les Sénégalais n'ont jamais exigé de savoir combien touche le président. À ma connaissance, je n'ai jamais entendu un Sénégalais dire « Dites-nous combien touche le président. » Parce que c'est un débat qui refait surface. Mais... Quand ils le disent, quand on répond à une question qu'on ne t'a pas posée, c'est que c'est toi qui as intérêt à ça. Et non, nous. Ce sont qui leur a posé la question. Pourquoi subitement, ils sortent ici pour dire voilà ce que... C'est pas une exigence des Sénégalais. Par contre, les Sénégalais ont d'autres exigences auxquelles ils n'ont pas encore de réponse. C'est à ça qu'il faut s'intéresser. La déclaration de politique générale, l'article 55 de la Constitution oblige le Premier ministre à faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, sans préciser les délais et la procédure. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vigueur ne tient pas compte du Premier ministre puisqu'il n'a pas été actualisé suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi numéro 2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution. Est-ce que cette situation est normale dans un pays de droit, de démocratie? Bon, ce qui n'est pas normal, c'est justement que ce qui devrait être fait n'a pas été bien fait. Ça, c'est pas normal. Ok. Maintenant, est-ce que malgré tout, le Premier ministre devait aller faire sa déclaration de politique générale? Une chose est sûre. J'aurais bien compris une partie de la position du Premier ministre si ils avaient posé ça quand Amadou Ba devait faire sa déclaration de patrimoine. À leur place, non seulement j'aurais alerté l'opinion, ils ne l'ont pas fait, mais une fois l'opinion alertée, si je suis dans la même posture qu'eux, je me serais abstenu d'y prendre part. On aurait compris. Alors qu'aujourd'hui, que le Premier ministre ait cette position. Mais, vous savez, Diouf, moi je pense que c'est une constante. C'est comme si le Premier ministre était allergique au respect de la loi. Ce n'est pas pour la première fois qu'il use de subterfuges pour ne pas se soumettre aux contraintes de la loi. Ce n'est pas pour la première fois. Il l'a souvent fait.
Mais est-ce que les contextes sont les mêmes? Amadou Ba, il est dans Benon Bokyakar. Oui. Les députés de Benon Bokyakar étaient majoritaires à l'Assemblée nationale. Oui. Oui. Cette fois-ci, c'est le cas contraire. Donc, ce que je dis, c'est que moi, je parle de principe. Est-ce qu'il prendrait le risque de. Non, moi, je parle de principe. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de principe. Okay. C'est une question d'opportunité de sa part. Moi, je parle de principe. Si, ce n'est pas prévu par l'Assemblée, c'est pour ça qu'il ne le fera pas, il ne devrait pas participer à quelque chose qui, selon lui, serait un cirque. Parce que ce n'est pas prévu. Donc, ça veut dire que, bon, moi, je considère que, justement, il a émis est-ce qu'il a émis une idée simplement? Non, si je ne fais pas ma déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, oui, je vais le faire autrement. Il a dit qu'il fera devant un jury populaire. Devant un jury populaire, oui, mais autrement. Est-ce que vous ne considérez pas que celle-là, une attitude d'irresponsabilité innommable par rapport à l'Assemblée? Est-ce que également ce n'était pas une réponse politique simple? Une réponse politique à qui? Il répond à qui? Aux députés de l'Assemblée nationale. Aux députés de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est la Constitution qui lui demande, ce n'est pas les députés. Il ne répond pas aux députés. Et peut-être, son président de la République, notre président de la République, lui a donné raison sur ça. En disant que le jury populaire peut être de meilleure qualité que l'Assemblée. Et vous trouvez ça normal? Ah, mais c'est ça que je dis. Je le répète. Pour attirer l'attention de l'opinion sur là où nous en sommes aujourd'hui. Par rapport au rapport de ce que nous gouvernons, le rapport qu'ils ont avec les institutions. C'est ça. Ok. Le bras de fer entre l'Assemblée nationale à majorité pro-Macky Sall et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui pose des conditions avant de faire sa déclaration de politique générale. Est-ce qu'un compromis est possible? Ah ben, je crois qu'ils ont un compromis maintenant. Parce que les gens ont décidé à l'Assemblée de régler la question du règlement intérieur. Ils n'ont pas tiré ça définitivement. Jusqu'à présent, ils sont en train de négocier entre eux. Oui, non, j'ai dit, comme ils négocient, ça veut dire que c'est bien possible. Un compromis est possible. Je pense. Et ce bras de fer entre le passé au pouvoir et les pro-Macky à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne va pas se terminer par une dissolution de l'Assemblée nationale au mois de septembre? Attention. Bon, je sais pas. C'est une chose est sûre, c'est que ce n'est pas le bras de fer qui va provoquer la dissolution de l'Assemblée. La dissolution de l'Assemblée, qu'est-ce qui va provoquer les nécessités pour le pouvoir d'avoir une majorité pour gouverner confortablement. Donc, ce n'est pas le bras de fer qui sera à l'origine. Donc, est-ce que la dissolution n'arrange pas le gouvernement, car on ne peut pas gouverner un pays sans majorité? Mais si la dissolution n'arrange pas le gouvernement, il ne dissoudra pas. Parce que ça lui... S'il dissout, c'est parce que justement ça l'arrange. Parce que les institutions comme le CTT, le Conseil économique et social et environnemental étaient une promesse électorale du président de la République, Assimi Gomaye Faye, de les dissoudre. Ce qu'il disait, c'est des institutions budgétivores. Oui, c'est ce qu'il disait. Et il faut dissoudre l'Assemblée nationale pour pouvoir les dissoudre. Oui, parce que c'est des institutions qui les ont installées, donc c'est pas facile de prendre un décret comme ça. Il faut passer par l'Assemblée nationale. Alors, donc il faut nécessairement une dissolution de l'Assemblée nationale pour pouvoir faire ça. Ouais. Et vous ne croyez pas qu'on assistera à une dissolution de l'Assemblée nationale? L'Assemblée sera dissoute. Ok. Ça, je crois. Je crois bien. Alors, d'ailleurs, moi, j'ai entendu certains politiciens qui disent carrément que cette Assemblée n'est plus légitime après les élections.
je vais prendre l'exemple de Mimi Touré. Oui. Bon, avant-hier, j'ai écouté M. Boubacar Camara qui dit que la dissolution doit être faite. Parce que pour gouverner, il faut gouverner avec une majorité. Il faut une majorité. Je ne sais pas, parce que c'est ce que gouverne non pas la majorité que l'Assemblée n'est pas légitime. Donc c'est ça, ce rapport qui pose problème. Bon, qu'il faille dissoudre l'Assemblée, moi j'ai pas de problème. Nous, en tout cas, nous n'avons pas de problème par rapport à ça. On ira à des élections. Mais si on va à des élections, le pouvoir peut ne pas avoir encore une majorité. La majorité. Est-ce que cela voudra dire que cette assemblée non plus n'est pas légitime? Alors, dans ce cas-là, le problème va se poser. Oui, mais je veux dire, la légitimité qu'on pose, oui. Cette assemblée est très légitime parce qu'élue par des Sénégalais. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Pape Mbaye, ancien secrétaire général de l'Union de la Jeunesse Démocratique Albour Ndiaye, fils d'Andre. Il est membre du comité et du bureau politique du PIT Sénégal. Il est également secrétaire en charge de la vie intérieure du parti. M. Mbaye, alors, il nous reste que 3 minutes. Vous habitez à Kermassar, n'est-ce pas? Alors, comment va Kermassar avec les nouvelles autorités présentement? Je sais que le nouveau département de Kermassar, en tout cas, la partie dans laquelle je vis, alhamdoulilah, je touche du bois. Nous sommes encore épargnés des inondations, mais c'est parce que aussi il n'a pas encore beaucoup plu. J'espère que ce sera à moindre. Du point de vue de l'occupation des espaces publics, il y a eu des efforts qui ont été faits. Et je crois que, en tout cas, la partie la plus encombrée de Kermassar, c'est sous le pont. Et ses environs ont été nettoyés. Et à la place, les gens ont conçu des espaces verts. Ça, au moins. Je pense qu'ils l'ont fait. Ouais. Ça, je pense qu'ils l'ont fait. Bon. Et ça, c'est visible. Ça, c'est visible. Ça, c'est visible. Et les inondations, comme vous l'avez dit. Bon, les inondations, on attend. On attend. Il n'a pas encore beaucoup plu. Encore beaucoup plus. Bon, ben, je sais que s'il pleut au moins comme l'année dernière, il y aura quelques difficultés. Bon, ben, c'est clair que les inondations, c'est progressivement qu'on va pouvoir les régler. Même les pays dits civilisés et très développés font face à des types d'inondations plus graves que celles que nous connaissons. Mm-hmm. C'est des vies en perte humaine, pratiquement, de l'engloutissement de toute une partie de certaines villes ou des villages, des glissements de terrain. Donc, je pense que voilà une question sur laquelle il faut avoir un discours très mesuré. Évitez de faire dans la démagogie quand on parle de demain. Parce que ça, de toute façon, tous les problèmes que nous avons est dû au discours irresponsable et démagogique de certains de nos hommes politiques. Qui, parce qu'ils veulent le pouvoir, peuvent promettre mont et merveille avec la claire conscience qu'ils ne pourront pas le faire. Vraiment, c'est... Il y a des choses comme ça que nous... Déjà, tu entends des voix qui s'élèvent pour attirer l'attention des autorités, qu'ils ne veulent pas avoir d'inondations. Alors, mais les inondations ne peuvent pas être réglées. D'ailleurs, j'ai entendu le ministre Cheikh Tidiane Gueye qui disait que alors, nous sommes là pour prendre des mesures.
mais c'est des problèmes qu'il faut régler à long terme. Pourquoi il le disait pas avant? Parce que c'est le discours qu'il tenait avant. C'est pas ce discours qu'il tenait dans le passé. Est-ce que également c'est pas c'est difficile à régler parce que les gens, les populations se sont habitués dans des zones inondables également. Bien, ça c'est un facteur. Il y a plusieurs autres facteurs que des experts ont évoqués. Mm-hmm. Mais une chose reste constante et claire, c'est qu'il y a eu des améliorations. Il y a beaucoup de zones dans Dakar et dans les régions qui étaient fortement inondées, mais qui aujourd'hui sont épargnées des inondations. Ça veut dire qu'on a eu des ouvrages qui, quelque part, ont été résilients. C'est comme ça qu'il faut avancer. Jusqu'à pro. Ouais. Okay. Abordons le dernier point, parce qu'on a pratiquement épuisé le temps. La presse. Ce qu'on voit maintenant dans la presse. Alors, tout le monde se dit journaliste. Vous êtes pour un assainissement de la presse? Si vous êtes pour un assainissement, pourquoi? Mais je ne sais pas. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Vous ne pouvez pas contourner l'assainissement. Si vous voulez continuer à être des journalistes et à regarder les yeux dans les yeux, vos citoyens. Vous avez un métier. Ça prouve. C'est ça. Informer. Mm-hmm. Informer est une tâche redoutable. Informer. Parce que vous contribuez à former une opinion publique. Mm-hmm. Vous avez le devoir, vous êtes tenu d'informer, comme vous le dites, juste et vrai. Mm-hmm. C'est ça qu'on vous a appris. Oui. Aujourd'hui, vous qui être sorti de ces écoles de journalisme. Vous n'êtes plus connu. Vous n'êtes plus connu. Les gens dont on parle dans les médias, c'est d'anciens animateurs. Ouais. Maintenant, on voit trop d'animateurs. Oui, mais c'est parce que... Qui camoufle même les vrais journalistes. Mais parce qu'eux, ils peuvent tout se permettre et vous non. Ils peuvent tout se permettre et vous non. Et l'éthique et la déontologie. Voilà. Voilà, maintenant, donc la question de l'assainissement de ce corps de métier, il y va de la survie de votre profession. Tout à fait. Il y va de la survie de votre profession. Vous le faites ou vous disparaissez et d'autres vont prendre, ils sont en train de prendre votre place. Tout à fait. Ce sont eux qui informent, qui n'ont pas appris comment informer. Et la presse est le quatrième pouvoir. Ah, ouais, il faut des gens formés. Ça veut dire au-delà du risque que vous encourez, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est la survie de la paix et de la cohésion dans le pays. Merci, monsieur Mbaye. Merci d'être venu. Votre dernier mot? Vraiment, merci bien, M. Diouf. Ça a été un grand plaisir pour moi d'avoir eu cet échange avec vous. Merci. Et je vous transmets les salutations et les encouragements de toute la direction de mon parti. Merci. Merci à nos chers auditeurs. Nous recevions M. Pape Mbaye, qui est secrétaire en charge de la vie intérieure du parti PIT. Monsieur Mbaye, vraiment tout le plaisir est pour nous. Nous remercions le directeur de la radio, Monsieur Abdoulaye Diop, qui est là souvent, qui donne des orientations et qui est à l'écoute des journalistes qu'il encadre. Vraiment, nous le remercions très sincèrement. Nous remercions également le rédacteur en chef, Moussa Nian. On remercie également le technicien et Abdourahmane Fall qui était à la partie technique et tout le personnel de Océan FM. À dimanche prochain pour un autre invité.